Salut YouTube! Et ouais, on est reparti sur Diablo 2. Resurrect. Le nouveau là. Celui qui est joli. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais plus, qu'est-ce que je faisais? Où est-on? Oui, I remember déjà. Non. Faut que je fasse mon petit golem là. Faut que je fasse mon petit bouclier d'os. Que je fasse ça et j'étais dans le gloître. Cet endroit peste le démon. Non, ça c'est pour ça fait quoi ça? Ah, pourquoi j'ai pas la carte? Merci. Tiens, tiens! On va se manger des bastos seul. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, j'ai refait un... Attendez, j'en veux un de froid. Voilà, merci. Ah, YouTube, il y a Silent Genius qui vous dit coucou. Coucou! Parce qu'il y avait une grotte pas loin. Je voulais marcher dans la grotte. Alors, cœur de loup. Bon, ça va le boulot sinon, Genius, ça, aujourd'hui. Est-ce que ça le fait? Oh, les petits démons là, qui se barrent à chaque fois. Quelle bande de relous. Sanctuaire de gemmes, ah! Faudrait que j'aille chercher une gemme en ville. Une tête, vas-y. Quelques appareils détaillés hier pour qu'ils puissent travailler en mode dégradé aujourd'hui en attendant ma venue. Ah! Ah! Ah bah diamant, parfait. Une réjuve, un grand charme. On est pas mal. Je vais identifier mon grand charme comme ça. Ouais, ok. Ça fait quoi ça? Ouais, bof. Rien de grave, 10 minutes au téléphone, 40 pour retracer l'appel et faire la paperasse. C'est rentable, ouais, d'accord. Oh, comment je pourrais plus avoir des contraintes comme ça. Ça me saoulerait, mais d'une force. Je peux comprendre qu'il y ait des procédures comme ça hein, dans certaines boîtes, hein, mais... Pas mal, mon archère est pas mal. Hein. Je suis très contente. Ça se passe bien avec elle.
Ah mais là, le sanctuaire de gemme, j'ai pas utilisé le sanctuaire de gemme alors que j'ai un diamant. Like a diamond. Ça fait grr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 
C'est Rujan. Rujan le kiwi. Ou le kiwi tout seul. Ou je ne sais pas. Dis-moi. Bienvenue à toi. J'ai pas identifié ça. J'aurais pu identifier, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors ça, à la revente, c'est pas trop mal. Ça par contre, c'était nul à la revente. Les dégâts de poison. Ça c'était quoi? 6 dégâts de foudre. Résistance au poison. Ouais. Oui, kiwi. Tu as un cauchemar en fer ou normal? Je suis en normal. Je viens de reprendre le jeu. Je suis à l'acte 1 en mode normal, tu vois, donc... j'ai pas joué beaucoup encore. Ah, j'ai plaisir à vous revoir. Qu'est-ce que c'est de nul? Nastière. Ce n'est point grave. Il y a vraiment des gens qui sont déjà en... Il y a déjà des gens qui sont en mode nightmare dans le jeu. Et en mode enfer. Il y a déjà des gens qui sont là. Sans blaguer. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas le temps. Hop. Mon pognon. Ok. Enfin, peut-être que je la change ma baguette un jour. Hein. Qu'est-ce qu'on plus 2 à golem d'argile? Ouais. Plus 2 à dents. Si je commence à jouer... Non cauchemar mais pas remasterisé. J'ai pas compris. Plus 2 à maîtrise de golem, plus 1 à dents et certi. C'est certi, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Eh ben merci du coup Kiwi pour ton follow. Score d'attaque, ouais, ça file des dégâts poison en plus quoi. Ma rune. Il faut vraiment que je commence à ranger je pense. C'est le bordel. C'est un cauchemar. Mais remasterisé. Je comprends pas ce que ça veut dire en remasterisé. Ou alors c'est une mécanique qu'il y a dans le nouveau jeu. Enfin dans le nouveau jeu. Pourquoi je l'ai gardé ça? Pourquoi ça je l'ai gardé? Faut que je vende ça, c'est nul. Les bagouses. Les bagouses. Les runes. Les joyals. Merde. Les popos. Ça, les réjuves, par contre, ça tombe. Ça tombe super vite, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vas-y, toi là. Toi là, toi là. Toi ici. Toi là, toi là, toi là, toi là. Les bleus, j'ai pas encore mis. Tac, 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 tac.
Les violets, c'est là. Les têtes, 2% de vie volée à chaque coup. Ah ! Ça, c'est pas mal, quand même. Tac, tac, on range, on range. Ah, ça va quand même être mieux, hein. Les popos en haut. Vivement le cube aura dream, hein. Attends, mais pourquoi j'aurais pu mettre sur l'autre onglet, en fait. En fait, les potions, j'aurais pu le mettre, voilà. Par contre, c'est chiant, on peut pas... Merde. Merde. Ouais, je vais pas tout faire. Attendez, je me demande s'il y a pas un truc voilà, qui est plus simple. C'est de faire ça. Attendez, ça va être super con, hein. Voilà. C'est tellement plus rapide. Hop. Je change d'onglet. Voilà. Hop là. Je fais ma petite popote, hein. Et ça... Ah non, je l'avais gardé parce que 5000 et je vais pouvoir le revendre plus cher au prochain... à la prochaine ville. Ouais, ok. Au prochain acte, ça va se revendre plus cher, ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ah, on y retourne. La teuté. Le lac majeur. Ouais, c'est par là. On va remonter. Non, mais c'est tellement grand par contre. C'est rouge. Ah, d'accord, je peux encore en choisir. Qu'elle faisait là toute seule, elle. Ah, on a entendu mon... on a entendu mon bouclier qui a réussi à parer un coup. Oh là 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 là. On va se calmer tout de suite, là. Ok, alors un sabre, un anal. Il y en a point à mettre dans Dame de Fer pour Duriel. J'ai déjà Dame de Fer. Hein. Et non, c'est pas Dame de Fer que j'ai. Bah c'est Vierge, ouais, c'était traduit en Vierge de Fer. Et pas de spoil, s'il te plaît. Mais, je connais le jeu, hein. Je connais le jeu, je l'ai fait en 2000. Enfin, je l'ai fait quand il est sorti, et ça doit être un jeu... Je sais pas combien d'heures de jeu j'ai sur ce... Sur Diablo 2, la version d'origine, donc mais donc je connais bien le jeu, quoi. Je connais bien le jeu, même si ça fait 20 ans que j'y ai pas joué, quoi. Donc va falloir que ça revienne, mais je me rappelle quand même des strats. Mais voilà, d'une manière générale, sur le stream, pas de spoil, pas de backseat, quoi. Sauf si j'en demande. Ce qui arrive, hein, régulièrement. Régulièrement, je sais pas quoi. Ah, top, top, top. Ah, non, barre-toi, 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 barre-toi. Quel con. Comment j'ai fait pour me faire défoncer là? Merde, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Je suis trop con. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Par exemple, il faut que je me refasse au bouton. 20 ans? Mais c'est impossible. Oui, exactement, c'est impossible.
Ouais, 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 c'est impossible. Ceinturon supérieur. Bon, là, il y a l'autre qui est en train de tout revive. Là, il m'énerve, lui. Toi, tu m'énerves. Est-ce que tu pourrais pas crever? Merci. Ça me fait extrêmement plaisir que tu meurs. On va faire un truc parce que... Voilà. Lui il revive tout le monde là. Et s'il n'y a plus de cadavres? Ha! Tu fais comment pour les revive? Espèce de gros malin. Pan, pan et pan. Tu joues plutôt squelette, golem ou malédiction? Les trois. Pour l'instant, les trois. Voilà. Pour l'instant, là, je garde mes stats. Là, je mets un peu en force parce que... pour pouvoir porter des armures un peu plus lourdes, après, je vais en avoir besoin. Mais genre, là, j'ai mes deux points de compétence et je vais pas m'en servir. Je vais pas m'en servir. Les autres trucs. Franchement, ça me dit vraiment pas trop. J'ai tendance à tout augmenter ici parce que ça sert pour le... Il y a les synergies avec lance d'os et après il y aura les synergies avec esprit d'os. Et je sais pas. Je sais plus. J'ai créé animation, oui, mais ça sera pas tout de suite. En fait là je pense que j'attends mon niveau 18 pour commencer à bourrer lance d'os et le golem 200 quoi. Le combo golem 200 plus... Iron Maiden est quand même super balèze quoi. Donc on va sûrement jouer ça. Enfin à l'époque c'était balèze quoi. J'ai peut-être pas joué sur les dernières... J'ai moins joué sur les dernières mises à jour qu'il y avait eu de Diablo 2. Parce que mine de rien c'est quand même un jeu qui a eu des mises à jour jusqu'à jusqu'à super récemment quoi. Pourquoi je t'ai pas identifié toi? Des dégâts de poison encore. Ça en dégâts max, c'est nul. Qu'est-ce que j'avais vu? Je sais pas, j'avais essayé de récupérer un truc, mais je sais pas quoi. Mais il me fait chier lui. Arrête, meurs. Voilà. Mais c'est pas si compliqué de mourir. Nice. Je peux pas me charger plus. Relou. Espèce de gros relou. Plus 3 mana. Plus 3 mana quoi. Ok. J'aimerais bien prendre ma tête, mais j'ai pas la place. Bon, on va retourner en ville, on reviendra. Le golem de métal, c'est le meilleur pour le long terme, non? Non, après, on a... Le golem de feu est quand même pas dégueulasse. Alors, le golem de métal, particularité intéressante, c'est on ne peut l'invoquer que sur une arme en métal. Et il prend les caractéristiques en fait de l'arme. C'est une technique quand même qui est assez intéressante dans le jeu. Il y a peut-être des gens qui regardent là du coup qui sont pas au courant. Mais en fait le golem de métal on va l'invoquer via une arme. Et si l'arme a des caractéristiques, si par exemple l'arme a des dégâts de poison, si l'arme a des dégâts supérieurs, en fait le golem qu'on va invoquer va avoir les caractéristiques en fait de l'arme là où sur laquelle on l'a invoqué. Et, ce qui est une particularité assez intéressante. Par contre le problème c'est que si vous faites sur un objet qui est vraiment bon, bah au moment où votre golem il meurt, bah c'est comme si vous aviez perdu l'arme quoi. Mais c'est un truc assez intéressant quand même qu'offre le jeu quoi. Mais ouais après le golem de feu est quand même... le golem de feu à haut niveau est quand même pas dégueulasse. Hein. Mais le golem de feu après ils sont résistants au feu. Bah de toute façon après en Nightmare et en L, ils sont résistants à tout donc... Ça devient de toute façon compliqué quoi. Ah je peux avoir le ceinturon... j'ai le nez qui me chatouille.
C'est infernal. Défense, 5 points de vie, résilient. Ouais. J'aurais plus d'emplacement, mais en même temps, je me sers pas trop des popos pour l'instant. On va garder les résistances, quoi. Salut. Vas-y, ça je vends. Ça je vends, ça je vends. Ça je vends. Ça je vais garder. Attendez, j'ai quoi? Plus 6 au mana, on va quand même garder ça. Plus 3 au mana. Bien que j'utilise pas beaucoup le mana pour l'instant. Les charmes, je vais mettre dans le dans mon stash. Et l'arc, il faut que je regarde sur ma Merco si ça lui fait des... Bon. Ça ferait des dégâts de froid, mais... Hop. Bon. On va aller mettre des trucs dans le stash. Regardez, là ça va être l'emplacement des charmes que je veux plus. Vas-y, on va enlever ça. Hop. Ensuite. Ah, les runes, ça c'est les trucs que je vais vendre. Bien, ça ressemble à... ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, la tête. Qu'est-ce qu'elle a la tête? Quoi, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Ah, j'ai 3 maîtrises des golems. 2 à ressusciter un squelette. C'est bien. 3 dents. Amplifier les dégâts. Je pense que l'autre, on va le mettre... ouais, voilà. Et du coup, je peux en ressusciter combien? 3 squelettes au total. Ok, c'est parti. Je me suis encore gouré de touches. J'ai bu une potion pour rien. Super. Et plus 3 à dents. Et ça ferait combien? Dégâts magiques, 5-7. Et là, actuellement, je fais combien? Personnage, attaque, dégâts, 11-21. Ouais, dents, c'est quand même pas ouf. Hein. On va quand même essayer de jouer dedans un peu. C'est bien, je vais... Je vais pouvoir jouer à distance. Je vais remonter. Ah! Arche supérieure. Est-ce que ça se revend bien ça? J'ai plus aucune idée de comment se vendent les trucs quoi. Une teuté de zombies quoi. Alors les dents effectivement elles font pas beaucoup de dégâts. Mais par contre j'en ai un paquet quoi.
Attendez. Attendez, je peux tirer, je crois. Attendez, c'est comment? Non? C'est Alt? Comment on fait? Ah oui, ça marche avec Shift. Pourquoi ça va marcher la première fois? Les squelettes qui... Ah, ah, il commence à faire ça comme en noir là. Ma mana, ouais, commence à... Ma mana diminue maintenant, quoi. Bien évidemment. Il va falloir que je commence à avoir des... Des enchantements, vol de mana, des trucs dans le genre, quoi. Y'a Merlin. Ah ouais. Ah ouais, même un anneau, je peux pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait pencher sur le nécromancien? C'est toujours ce que j'ai toujours adoré, le nécro dans Diablo 2. En fait, là, je me suis même pas posé la question parce que c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup jouer, en fait. Et donc là, quand j'ai lancé Resurrected, je me suis même pas posé la question, je me suis dit je go nécromancien direct, quoi. T'as un nécro aussi? Ok, c'est rigolo. Le gourdin de clouté de célérité. Et lui, il a quoi? 3 visions diminuées. Dommage. Dommage, mais ça se revend bien, donc c'est cool. Yes. Yes, yes, yes. Allez. C'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien. C'est vraiment le perso où tu te balades tranquillement, en fait. T'es arrivé jusqu'à Cauchemar avec, quoi. Et t'avais joué au jeu d'origine ou pas? Ou c'est ta première expérience de Diablo 2, c'est Resurrected. Hop. Ok. Ah, tu joues toujours à l'ancien. Ok. Ah, le truc a une durée de vie, quoi. C'est assez ouf. A baguette. Tout. What? Ils sont combien là-dedans? Non, c'est la fiesta, quoi. J'adore, mais j'adore la tronche du golem maintenant, quoi. C'est ton père qui t'a fait découvrir le jeu? Ah.
Est-ce que t'es en train de dire que je pourrais avoir l'âge de ton père? Probablement. Ah, j'ai plus de mana. On va prendre des mana mineurs. Hein. Vie. Allez, hache de lancer, je sais pas si ça se vend aussi bien que les couteaux de lancer. Hop. Oui, ah. Ouais, ok. Moyen, ok. Ah, par contre, attendez, je vais... Merde. Il me fait lui. Mais c'était pas allumé en fait. Je suis en train de dire je vais éteindre ma ring light, mais en fait elle est pas allumée. Mec est un peu con. Hein. Ok, donc il y a en dessous il y a la prison, d'accord. Ah oui, je vais quand même nettoyer toute la... J'aimais bien faire ça aussi, nettoyer toute la zone. Encore plus en solo, parce qu'en solo on garde la génération de niveau. Mais je me prends tout dans la gueule là, pourquoi vous m'aidez pas, bande de cons? Ah, mon golem il fait rien. Mon golem il est en train de glander. Bravo à lui hein. Lame de poignet. Ouais, nul. Alors ma baguette. Ouais, pas ouf. Est-ce que t'as un emploi du temps de stream? Non, pas du tout. Vu que j'ai un job à côté, évidemment. Je stream quand j'ai envie, en fait. Donc je fais pas d'emploi du temps, en fait. Parce que ce serait trop de contraintes. Et j'ai envie de streamer quand j'ai envie de streamer quoi, donc après j'ai tu verras, dans ma bio j'ai un compte Twitter et généralement quand je lance un stream, voilà, si jamais tu as Twitter, quand je lance un stream je le mets toujours sur Twitter, donc c'est plutôt là qu'il faut me suivre si t'as envie de savoir si je lance ou pas. Ah bah merci Silent Genius, oh là là, la meilleure modo du monde. Chut, tu diras pas aux autres hein. T'as pas Twitter, ok. Après je fais pas que du Diablo 2, hein. Je fais beaucoup d'autres choses. Donc là en ce moment, là je pense que prochainement je vais quand même en faire pas mal. Mais t'attends pas à voir que du Diablo 2 sur la chaîne quoi. Typiquement là j'en fais ce matin. Et puis cet après-midi ça sera du Galaxy 2 cet après-midi. Ils veulent pas. La suppuration, le déchiqueté. J'ai toujours adoré les noms. Alors à savoir aussi dans le jeu, les noms sont gérés de manière aléatoire. Y a pas que... Enfin de manière aléatoire. Les noms sont générés de manière procédurale. Y a pas que les niveaux qui sont générés de manière procédurale. Y a aussi les champions. Les boss élites. Pas le truc de mannequinat. Hein. Les boss élites, c'est pareil. Leurs noms sont générés de manière procédurale. Ce qui est assez rigolo. Ce qui donne des fois des trucs franchement fun. Mes squelettes sont morts. Ah oui, effectivement. Il y en a deux. Est-ce que j'ai des cadavres? Eh bien j'ai pas de cadavres sous la main. Si, j'en avais là. Hop.
Ça y est, les niveaux qui commencent à devenir bien grands là. Ah! Le forgeron. Et ben voilà, c'était le forgeron. Ah! Fresh meat. Pourquoi il y a une porte là, mais alors qu'il n'y a pas de porte? Et du coup, avec ça, il y a Charcy qui va pouvoir nous envoûter un truc. Mais il faut pas l'utiliser tout de suite. Il faudra l'utiliser plus tard. Sinon, on va avoir un objet qui est cool à notre niveau. Mais à haut niveau, du coup, c'est un truc dans... à la prochaine ville, on va trouver un objet qui est meilleur, quoi. Un objet normal qui sera meilleur, quoi. Donc, on va évidemment attendre... beaucoup plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Voilà. Ok, potion de mana moyenne, potion de vie moyenne, potion de mana moyenne. Nice. T'as joué à Diablo 1? Ouais, j'ai fait Diablo 1 à l'époque. Eh, je suis vieux. Je suis vieux, moi, tu sais. Hein. Donc, j'ai fait Diablo 1 en 80... Ouais, en 97, 98. Quand le jeu est sorti. La tête de... lui c'était quoi? 2 à résister un squelette, 3 à dents. Et lui il fait quoi? 1 à maîtrise des squelettes, 1 à maîtrise des squelettes. Non, des golems, des squelettes. Plus 4 à tous les résistances. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal mais 30... combien? 32? Bah je crois que... répare 1 durabilité. Ouais ça c'est naze. Je crois que je vais changer mon petit costume. Hein. J'en ai plus? Ah d'accord. Super. Attendez, on va quand même retourner en ville. En plus comme ça, ça va me permettre de voir... Bonsoir. La prison niveau 1, le prochain portail, ok. Faudra que je le trouve. Pour vous remercier d'avoir retrouvé le marteau d'Oradrim, je vais doter un de vos objets de pouvoir magique. Ouais, mais non, pas tout de suite. Tu es bien gentille, mais... merci, mais non merci. De régène, on s'en fout. Ah, ça, je vais pouvoir le mettre dans mon stash pour la prochaine ville. Hop. Un niveau pour ça? Ah, niveau nécessaire, 19. Putain, 19. Ça, on va le virer. Et ça, est-ce que pour ma Merco, ce serait pas plus mal? Elle a quoi actuellement? Elle a défense 23. Elle a défense 24 et elle fait du poison diminué en plus. Donc on est mieux. Non, je vais garder pour l'instant. Oui. Hop. C'est quoi? Plus ça en dégâts max. On s'en tamponne.
cette musique incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il veut ? Andariel, reine des enfers et notre adversaire. C'est elle qui a ensorcelé la sororité de l'œil aveugle et profané son monastère. Voilà un bien mauvais présage. Ah bon ? D'anciens textes de l'ordre Horadrim affirment qu'Andariel et d'autres démons inférieurs renversèrent les démons originels, Diablo, Mephisto, Baal, et les bannirent vers notre monde. Ils semèrent ici-bas souffrance et chaos avant d'être emprisonnés grâce aux pierres d'armes. La présence d'Andariel ici-bas pourrait signifier que les forces infernales sont réconciliées avec Diablo et ses frères. Si tel est le cas, je tremble pour nous. Tu es là, avant que le monastère ne devienne un avant-poste des enfers, nous barrons la route de l'Orient. D'accord. Ah non mais la musique est tellement bien dans Diablo 2. Ça fait partie de ces musiques. C'est des classiques quoi. Ça fait partie des classiques des jeux vidéos. Ah bah très bien. Le coffre avec une clé qui me donne une clé. Ça me va. Ok. Du mana. H. Lion, il a pas fait en feu lui hein. Mais qu'est-ce qu'il a mon squelette? Qu'est-ce qu'il a mon squelette? Oh les salauds! Oui non mais je vais forcément oublier à des moments. Je m'en prends plein les gueules avec les tonneaux. Tiens, vas-y, de la mana. On voit pas grand-chose quand même, hein.
Ok, coiffe supérieure, tiens, vas-y. T'es déjà mort plein de fois. Ouais, non mais là tu vois, globalement, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis dans le jeu, quoi. J'ai même très peu de soucis, je trouve, dans le jeu. Alors, soit je suis devenu meilleur avec les années de jeu, soit ils ont simplifié le jeu. Je ne sais pas. Il me semblait qu'avec Necro, mais je crevais tellement à l'époque, avec, au début. En fait, Necro, c'est vraiment un perso où au début, ça c'est vraiment compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de vie, on est quand même obligé de jouer au cac. Donc c'est compliqué. Et globalement, quand on a un bon stuff, après, on roule sur tout, quoi. On laisse nos compagnons faire. Et on récolte les... Ah, regardez, le bug. Regardez, le bug. Voilà. Voilà, super. Super le jeu, il a les mêmes bugs qu'à l'époque. Le jeu a les mêmes bugs qu'à l'époque. Ah, ils ont vraiment tout gardé, hein. Ils ont vraiment tout gardé, quoi. C'est très rigolo. On peut se dire, tiens, il y avait un gros bug. Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le laisse pas? Eh ben, on va le laisser. Notre ordre vous souhaite la bienvenue. Contre Diablo, les squelettes meurent tous en même temps. Ah bah quand il balance son rayon là, ouais bah forcément, faut avoir des trucs un peu plus balèzes, quoi. Bah contre Diablo, c'est pour ça que le golem de feu est quand même pas mal, hein. Vu qu'il est résistant au feu, mis à part le truc électrique là de Diablo, le reste, le golem de feu, ça le fait rire, quoi. Je crois même qu'il régène, en fait. Il me semble que le golem de feu, il régène quand il est dans le feu. Donc contre Diablo, c'est pas mal, quoi. La plupart des attaques de Diablo, hein, pas toutes. Parce qu'il a des attaques de foudre. Donc évidemment... C'est pas la même, quoi. Et là, ils ouvrent pas la porte. Donc, quand j'ai pas envie qu'ils ouvrent la porte, ils l'ouvrent. Par contre, là, qu'ils auraient pu le faire, ils le font pas. Ils se foutent de ma gueule. Hein. Vite, il y a ma... Non, mais non. Il y a ma pote qui est toute seule, là. Voilà. Ma pauvre. Oh là là, je me suis encore pris plein la tête. Mana. Faudra que tu prennes un mercenaire au deuxième pays. Il me semble bien que c'est les plus balèzes, c'est J'en ai déjà parlé hier, ouais. Et il me semble bien, ouais, que c'est les mercos du... C'est les mercos de l'acte 2, hein, qui sont les plus forts, il me semble. Hein. Là, elle est pas mal, hein. Franchement, bah... J'ai pas à m'en plaindre, là, de mon archère. Elle fait le taf, elle meurt pas. Je suis assez content. Ils ont les auras... Ah bah ouais, il y a les auras, mais ouais... C'est pour ça. Il me semblait bien qu'ils avaient un truc spécial qui faisait qu'ils étaient particulièrement forts. Je me rappelais pas c'était quoi, mais effectivement, ouais, s'il y a les auras, ouais. Et oui, il y a les auras comme dans Zelda.
J'ai déjà fait la blague chez Cubgy hier. Mais j'avais envie de la refaire. Ah bah dis donc. Il y a de la picole hein. Il y a de la picole dans la prison. Je sais pas ce qu'ils font mais... ouais super. Y a tous les trucs qui pètent quoi. Je suis ravi. Mais par contre il va falloir que j'augmente le... Bah, faut que j'augmente le gamma, je vois rien. Une ça régène, une ça protège et l'autre ils font plus de dégâts. Il faudrait que je regarde... Il y a une topaze que j'ai failli louper. Quelle honte. Attendez, je vais augmenter le gamma parce que ça devient chiant. Luminosité. Là, je suis quasiment à fond quoi. Ouais, c'est mieux. C'est peut-être un peu moins roleplay, mais au moins on voit quelque chose, quoi. Alors, qu'est-ce qu'a dit ma tête de zombie ? Ah. Le truc de druide, c'était nul. La pri-pri, la zonzon. Ah, couteau de lancer, ça vaut cher. Le ceinturon, c'est nul. Oh là là. Ça pue les magots ou l'ennemi d'élite ça. Bon, c'était des magots. Arc de chasseur pour ma pote là. On va aller regarder ce qu'il offre. La mort s'approche, 5e étage. Ah quoi? Plus 15 au score d'attaque. Alors que ma Merco est en train de péter un plomb. Elle est vraiment en train de péter un joli petit plomb là. Alors 8-17. C'était le même ou quoi? De 2 à 6, 2 à 6. Non mais pareil en fait. Il y a peut-être un petit boost. On va quand même lui laisser celui-là quoi. Alors...
Ok. Oula. Attendez, hop. Merde. Ah merde. Mon gogo. Mon golem. Ah. Putain. Il a fait mal ce con. Alors, en stats, ouais, vas-y pour la mana parce que ça commence à craindre. Merci pour le GG. Niveau 15, plus que 3 niveaux avant de commencer à faire vraiment du dégât. Je suis trop chargé. Non. Mais non, t'es pas trop chargé, arrête un peu. Pourquoi tu dis ça? Regarde, hop, hop. Ah merde, si, il est vraiment trop chargé ce con. Pourquoi j'ai pris des gants lourds là? Tu sais que c'est connerie. Oh le mec. Le mec il a pris des merdasses quoi. Vas-y pour la popo. Alors, par où on va aller? Musique bien stressante là. Allez, retour en ville. Tra, les allers-retours en ville. Je me rappelais pas de ça par contre. Hein. Qu'on n'arrête pas. Bonjour à vous. De se barrer, de revenir. Empêche les monstres de guérir. Je me rappelais même pas qu'il y avait. Il y avait des monstres en fait qui pouvaient se guérir. J'ai une question, tu peux faire tes lives vers 17h en semaine, sinon je serai pas là. Bah je vais faire les lives quand j'ai envie. c'est je, là-dessus, voilà. C'est quand je peux, c'est quand j'ai envie. Donc, en fin de journée, souvent, en fait, souvent, les boss se guérissent, d'accord. Souvent en fin de journée, en fait, je commence vers 17h30. Je commence vers 17h30, après le boulot, en fait. Donc si c'est les heures où t'es dispo, ça sera sûrement les heures où tu me verras quoi.
Mais c'est pas une faveur que je te fais quoi, clairement c'est parce que c'est l'heure où je stream quoi. Coucou Patatarte, il peut, mais il faut lui faire des pansements PayPal de 5€ minimum pour choisir les horaires. C'est simple et pas cher. Des paiements. Ah, les pansements c'était bien aussi. Hein. Comment tu vas Patatarte? Ah mais quel con, je me mets le cul dans le feu quoi, quel idiot. Tiens Kiwi, petite question, un petit peu indiscrète mais j'aime bien poser des questions indiscrètes. Vu que tu dis que ton père a à peu près mon âge, t'as quel âge du coup? T'as 14 ans, d'accord. Du coup, une deuxième question me taraude. Qu'est-ce que tu fous sur mon stream alors qu'il est interdit au moins de 18? Comment t'es grillé? Mais comment t'es grillé de chez grillé là? Et oui, mon stream est dans la catégorie des moins 18. Diffuseur a indiqué que cette chaîne est destinée à un public adulte. Exactement. J'ai déjà joué. Ah ben non, mais c'est pas. C'est pas à cause du jeu, hein. Ah, clairement, si j'ai mis mon stream en plus de 18, c'est pas à cause du jeu, hein. C'est plutôt à cause des discussions qu'on peut avoir en stream régulièrement. Donc voilà, mais après tu as indiqué que c'était ok, donc voilà. Mais je te préviens, oui, de temps en temps, il y a des discussions. On parle de cul assez régulièrement, de manière très ouverte sur le stream. Donc si jamais ça pose problème, tu le sauras. Voilà. Puis les jeunes ils en parlent à l'agence, ça saute pas, c'est nul. Oh mais pour qui tu me fais passer toi? Pour qui tu me fais passer? Pour quelqu'un de ville et quelqu'un de qui recherche l'argent? C'est ça? T'as mis Diablo Noir? Ouais mais t'as quand même dû avoir un message comme quoi mon stream était destiné à public adulte. Que tu puisses me trouver, je l'entends. Que tu valides que... c'est pour les plus de 18. T'as rien eu? Ça m'étonne. Hein. Ça m'étonne. Hein. Non mais après voilà, enfin c'est... Moi je fais tout pour que derrière... il n'y ait pas de mineurs sur le stream. Parce qu'il y a des sujets où voilà, a priori... tu n'as pas le droit d'entendre ce que je dis maintenant. Libre à chacun de faire comme il l'entend. Je vais pas, voilà, je vais pas te ban du stream pour ça, clairement. Y a pas de raison que je le fasse, mais voilà, c'est pour que tu sois au courant. De temps en temps, il y a des sujets de grandes personnes. Donc ne t'étonne pas. Et quand ça arrive, bah tu boucheras tes oreilles, quoi. C'est pas grave. Attends d'entendre de ce dont on parle, tu vas voir. Tu vas moins faire le malin. Hein. Tu vas être choqué. Hein. Ok. Hop. La pripri, la zonzon. Qui c'est?
Ah, il y en avait un là. Se cacher le petit malin. Topaz, vas-y. Sanctuaire explosif. Alors ça c'est les pires. Les pires, ça vous pète à la gueule une fois sur deux. Mais merde, mais... Quel enfer. Oula. Merlin le chasseur. Tout à l'heure j'ai eu Merlin mais c'était pas le chasseur. C'était Merlin tout court. Ok, Par contre j'ai... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Merci. Mana, mana, mana. Un casque. Da 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 da. Ce dont tu parles, je suis informé par le programme en SVT. Ouais, non. Alors, à moins que... À moins que dans ton programme de SVT, il parle vasectomie. Tu vois, déjà, je suis pas sûr que... Après, voilà, je te charrie un peu aussi. T'as 14 piges, je pense que, voilà, t'es apte à entendre certaines choses et... Moi c'est plus parce que oui effectivement il y a des gens que ça peut choquer entendre des trucs. Si t'es si t'as 14 ans et que t'es prêt à entendre ce dont on parle, y a rien de vraiment choquant dans ce dont on parle en fait. On parle juste de l'histoire de la vie. Donc c'est pour ça que je te dis y aura pas de ban. Y aura pas de ban pour les gens qui disent bon bah moi c'est ok, je suis prêt à entendre quoi. Mais on parle de un peu plus que le cours de SVT, hein, clairement. On montre rien. On montre rien, ça là-dessus, on est ok, quoi. Et si on parle révision des examens et stress du bac et débuter dans la vie active, là, tu vas prendre... Attends, là, tu vas prendre peur. Ouais. Les jeunes de nos jours, ils voient tout sur l'internet. Il n'y a plus rien qui choque. Non, mais... C'est pas les jeunes de nos jours, moi à 14 piges j'avais internet, même en 56K, tu mettais 5 minutes à télécharger une image mais tu voulais ton image quoi. Donc loué soit le dieu ADSL mais qui permet de tout voir beaucoup plus rapidement. Mais mais globalement oui, je sais très bien que quand il y a un panneau sur YouPorn, avez-vous plus de 18 ans? Voilà, quand on a 14, tu fais oui, 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 vous inquiétez pas. C'est ok. Donc voilà, moi, c'est... On a une commune de personnes extraordinaire. Donc c'est ça, donc on ne parle pas que du... Que du programme de SVT. On va sur des sujets... mais des sujets intéressants, en fait. Enfin, j'espère. Et on essaie. Et le but, ouais, c'est que tout le monde parle en confiance et que. Donc, évidemment, que. On va pas vous forcer la vue d'image ou de. Ou de vous forcer à écouter, quoi. Ça m'intéresse pas le site dont t'avais parlé. Je connais même pas le nom. Ok. Non, mais voilà. Vous avez vu les jeunes maintenant? Vous avez vu les jeunes commencer maintenant? Les jeunes, ça s'intéresse plus au porno et ça s'intéresse à Diablo 2. Merde! Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à la jeunesse?
Ah, Patatart, il est super choqué, quoi. Safe place, tant qu'on se respecte les uns les autres. Et sinon, mon épée tranche les têtes. Ouais. Et encore, c'est parce que tu peux trancher que les têtes. Mais sinon, je pense que... il y aurait d'autres membres qui partiraient aussi. Hein. Je suis choqué parce que j'y crois pas une seconde. Et bah détrompe-toi. Détrompe-toi, Patatarte. Franchement, hein, j'ai pour avoir quelques ados dans mon entourage. Et bah ouais. Je les trouve, je trouve la Gen Z beaucoup moins accro que ce qu'on a pu l'être. Donc non, là-dessus, Kiwi, je le crois 100%. Que Patatarte, tout le monde n'est pas Patatarte, tout le monde n'est pas un gros dégueulasse comme toi, hein. Non, bah de rien, Kiwi. Non, mais c'est sincère. Enfin, je sais que j'ai des ados, dans ma famille, et voilà. Patatarte n'est pas gros. Ah là là, ce vieux troll. Merci. Merci, Genius. Mais non, mais je fonce dedans. Hop là. Hop là. Cassez-lui la gueule. Cassez-lui la gueule. Allez-y. Je suis trop chargé. Ouf, ça fait tellement mal. Il a pris un peu de bidou. Non mais Genius, c'est pas ça qu'elle sous-entendait, tu vois. J'ai dit que t'étais un gros dégueulasse. Et elle a dit c'est pas vrai, il est pas gros. Sous-entendu. Par contre, c'est un dégueulasse. Enfin, je crois. Je crois que c'était ça que Genius sous-entendait. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Plus 4 au dégâts max, ça pourrait être pas mal, ça. Hein, pour ma Merco. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz. Ah, je suis en train de péter un plomb. Sonyop, tu penses que le mec qui passe son temps à faire des sous-entendus n'a pas compris? Bah exactement. Exactement, je pense typiquement que tu n'avais pas compris. Et donc j'ai expliqué la blague de Genius. Voilà. Alors 8-17... 6-21. Avec une petite résistance en plus là. On est bien. On est bien. Hop là. Et quoi? 15 au score d'attaque, plus 1 à la portée lumineuse. Non mais moi je veux du mana. Je veux du mana. Mana. C'est tellement plus drôle les blagues qu'on explique. Ah là par exemple, vous voyez. Genius, elle a fait ce qu'on appelle de l'ironie. Elle dit quelque chose en pensant le contraire, d'où le kappa à la fin de la phrase. Donc quand elle dit c'est tellement plus drôle les blagues qu'on explique, en fait ce qu'elle veut dire c'est que c'est moins drôle les blagues qu'on explique. Et ouais. Je peux pas aller les spaghettis et j'arrive. Et bah bonne cuisson de spaghettis. Kiwi et bah d'ailleurs. Est-ce que ça serait pas l'heure de la pause? Ah mais oui, ça serait parfait. Des bisous, YouTube. On revient tout de suite.